Hop là, un petit retour sur la machine à sous la Kitchen Smith, ça faisait un long moment que j'avais pu tester, donc ça c'est la série de jeux couche pas en perse, car ça peut balancer de très très longues séries, voire interminables de spin perdant. Donc quand ça paye du lourd, mais quand ça paye pas, ça fait pas semblant. 280, ouais, on va casser d'entrée. C'est parti pour la série du spin perdant. Alors là, ça peut en envoyer 40, 50, 60. Alors, à quand le prochain win? Ben, ça repasse. Allez, une fois rouge, une fois noir. Ça repasse. Et ben sans déconner, on allait en haut. Alors un coup de demi-double, 450. Petit bénéfice pour le moment. On a commencé en dessous de la barre des 5000. Enfin, petit bénéfice suffit pour un court instant. Alors, les mises 50 balles. Ça, c'est un jeu de la série du fournisseur de jeux Pampers, c'est-à-dire il peut envoyer, ouais, comme je disais précédemment, 50 spins perdants, donc 50 à 50 balles. Ça ferait moins 2005. Ça peut aller très très vite. Enfin, je suis un peu habitué à ces machines à sous que j'appelle machines à sous Pampers, car. Autant elles peuvent payer beaucoup beaucoup, comme autant elles peuvent flinguer les crédits, mais puissance 10. Donc là j'ai pas compté, mais ça doit faire bien plus, à mon avis plus de 30, 30 000 perdants. Donc, enfin, une trentaine, une quarantaine. Le cheval, 100 balles. 200. Les mises à 40, parce que là ça commence à réduire bien comme il faut. Ça, c'est la même série de machines à sous que le jeu que j'avais testé il n'y a pas très longtemps qui m'avait ramené un gros win au Cultum 81. Donc, soit ça paye beaucoup, soit ça lose beaucoup. Ben là, ça a balancé, ouais, une cinquantaine de spins perdants, donc j'ai pas compté. Mais... Ça doit être dans ces eaux-là, voire plus. De toute façon, si ça se termine à zéro, c'est à 50% de chance prévisible sur ce jeu. Enfin, de toute façon, c'était pile ou face, soit ça payait beaucoup, soit ça perdait beaucoup. Là, c'est l'option 2, maxi lose. Allez, mise à 30. Alors, spin perdant numéro, j'ai pas compté, mais peut-être 75, 80, enfin un truc comme ça. Là, ça commence à en faire pas mal. Ah, quand le retour des wins? On sera peut-être à 0, il y aura peut-être 0 win entre temps. Ah ben je sais pas si vous avez un pote à vous, une copine à vous qui joue aux machines à sous, que vous avez envie de lui dire tiens calme-toi un peu parce que tu perds un peu, ben, vous pouvez lui montrer cette vidéo, je pense que ça pourrait le calmer.
en lui disant bah, tôt ou tard, voilà, tu vas te prendre 50 ou 80 spins perdants dans les dents. Ciao les crédits. Super win 30 balles. 60, 120. Non, 60, 0. De toute façon, sa série de machines à sous, vu quand elle paye beaucoup, forcément, les spins perdants, il y en a beaucoup également. Bon, après, il y a d'autres jeux qui balancent moins de spins perdants consécutifs, mais qui payent moins. Enfin, sur les petits wins. 360. Allez hop. De toute façon, il ne reste plus grand chose. Eh ben c'est parti, il n'y a pas photo, donc là sauf gros big win chanceux, ça va être terminé sous le monde des 100 à 0. Enfin on aura quand même bien survécu ce casino, on aura quand même fait l'opération sauvetage de meubles, heureusement. Enfin la partie n'est pas finie, il va peut-être balancer un gros win pour remonter le tout, mais je me fais pas trop d'illusions quand même. 210, 270, 330. Mieux. Alors on va faire une doublette à 120. Ça passe. Une fois ça passe, une fois ça casse. Allez, 996. On va paumer. Allez, montante. Jusqu'au mise max, 60 balles sur ce jeu si je me rappelle bien. Et non, c'est 50, ben on redescend. Allez, 380. 300 ça passe. Les prises de risque, ça passe ou ça casse. Mise max 50 balles. Bon, là, je pense que, à part l'option miracle, on va être mal barré. 1400 balles. Eh ben, on take. J'ai pas eu les baloches pour doubler à 2008. Alors, est-ce que dans la foulée, il nous refait un comme ça? À 1000 balles, non, 250 à 500, on va tenter. Bien vu, bon choix. Et bah, tout contre, ça va peut-être pas être encore la dernière partie de ce casino, mais bon, ça peut être très vite redégringolé. Si on balance une cinquantaine de spins perdants, c'est cramé. Alors, super cheval. Allez, 500, go. 500, ça passe. Est-ce que ça repasse? Est-ce que ça repasse? On va voir ça. Eh non, une fois ça passe, une fois ça casse. Alors, l'option gain multiplicateur fois 100 par rapport à la mise, 5000 balles. Pas rêver, ça arrive pas souvent. Et voilà, on perd la moitié.
Les super tours. Alors, 500 balles. Une fois ça passe, une fois ça casse. Ouais. Ça a recassé. La moitié, carte noire, on s'était fait planter, on va retenter, on se refait planter. Attention. 500 balles, on va retenter sur le noir, et ben ça repasse, tant mieux. Et bien que ça repasse au bout d'un moment. Ah ben là, il me redégaine la série de spin perdant. Parce qu'on n'aura qu'un gros win entre temps, on arrive à 0, probabilité relativement faible sur ce jeu. Et bon, on était quand même remonté à 2000 balles avant la redescente infernale. Ah, le super cheval. 80 balles de paumée. Alors ça m'élimine automatiquement par rapport au crédit, bot 30 balles, donc au dernier spin, spin malchance. Voilà, ça n'a pas payé malheureusement. Sans 120 balles, on va encaisser quand même. Alors, on va faire 3 spins à 40 balles au bonheur la chance, ça m'étonnerait qu'il sorte un truc, mais bon, on sait jamais. Et non, fallait pas rêver, 1,05€. Ouais, 5 centimes de restance, on en fait cadeau casino, ça sera là pour le prochain dépôt. Donc là, Lucky Chessmate, machine à sous winner. Ouais, c'est vrai que c'était déjà un petit peu difficile, donc c'était pas évident, mais bon. Au bonheur, la chance. Allez, close, merci, au revoir, le casino Johnny English.